Your boss holds your salary. Ton boss tient ton salaire. Everybody can be an entrepreneur. Mais tout le monde peut être un entrepreneur. Pour mieux gagner la vie, il faut faire dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, un homme normal, c'est celui qui se met ici et qui voit le futur. So when you fail, don't doubt yourself. Your value have not changed. The right battle, the battle is not with your brother. Le bon combat n'est pas contre votre frère. Not your sister. Pas contre votre sœur. The right battle. Le vrai combat is against external intruders. Donc, quand vous voulez positionner votre produit, if you want to position your product, il faut comprendre la psychologie de votre marché. Comment est-ce qu'il pense? Si je voulais faire affaire avec toi, je me pose la question, qu'est-ce que tu caches? Tu peux considérer le marché que tu vends. Soyez constant et modérant dans vos attitudes et prises de décision. You want to start up a company. Vous voulez commencer une entreprise. And the company is say 5 million. C'est 5 millions. You have 2 million. J'ai 2 millions. L'image de marque personnelle ne se construit pas en un jour. Gather your friends that you have. Rassemblez vos amis comme vous teach savez. Them these things. Enseignez-leur ce que vous avez in appris. Teaching them these things, en leur enseignant ces choses, it necessitates that need. Ça va créer ce besoin. And the wave effect will go far. Et ça va créer un effet boomerang. It's more like network marketing, he said. C'est plus que le marketing de réseau dont il a parlé. I change you. Je te change. C'est to change this guy. Quand tu changes and ce gars. And then told it and then et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons prendre nos Cameroun. From this foreign intruders. De ces étrangers intrus. Les deux personnes des autres what's pays. What's the country again? Équateur Guinée. L'Équateur Guinée. You will take it there. Tu vas amener ça là-bas. And touch people. Et toucher les gens là-bas. To join in this fight. D'entrer dans cette bataille. Against ignorance. Contre l'ignorance. Against the manipulation of Cameroon youths. Contre la manipulation des jeunes Camerounais. Fight. Je me rejoins dans cette bataille. To take knowledge. Against ignorance. Your image through the social media. So advices to develop your image on the social media. Beaucoup parmi nous ici utilisent leur téléphone, leur ordinateur juste pour aller sur Facebook, liker. Some of us we use our phones and go to Facebook only to like, comment, images. Déjà au séminaire. In the seminar. Le petit déjeuner. I'm eating breakfast. Je m'en vais sur Facebook. I just go to Facebook. La manière que tu bavardes sur Facebook. The way you talk on Facebook. Je saurais c'est comme ça que tu bavardes mille fois. I know that is what that's how you do it. That is 10 times more than that in physical. You will like it. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu construire cette image. Si c'est Facebook que tu maîtrises manipuler, utilise Facebook. If it is Facebook that you know how to manipulate, use it. Apprends Instagram. Learn Instagram, learn the others. Quand tu seras apte, vas-y. When you be able to control it, now use it. D'accord? Is that, I hope that is okay. Parce que parfois, il peut y avoir une petite fuite. Why? Because there can be a very simple leakage. Tu ne vas plus jamais rattraper ça. And you will never be able to come back to normality. On a vu parfois des vidéos de gros stars. We've seen videos of very big stars, icons, on the social media. Vous pensez qu'ils ont pris leur téléphone, leur ordinateur et envoyé cette vidéo? Do you really think that they send this? Parfois c'est la mauvaise manipulation. It can also be just wrong manipulation. Ils ne maîtrisent pas manipuler ce média. They don't know how to use that media. Alors lorsque j'ai créé mon profil, when I built my profile, j'essaie d'utiliser les mêmes images. I try to use the same image. Parce qu'il faudrait quelqu'un pour me retrouver facilement, même pas mon physique, qu'il sache que c'est moi. Because I want someone to be able to locate me even just by looking at me physically on the beach. Si je voulais faire affaire avec toi, je me pose la question, qu'est-ce que tu caches? If I want to do business, you ask question, what are you hiding? J'ai besoin de voir ça. Est-ce que vous ignorez que dans certains CV, on demande vos photos physiques?
I hope you know that in some cities, they actually ask. Don't quite l'entreprise là, juste besoin de votre belle photo. You tell them you just want to have your picture. C'est une image qu'elle regarde. They are looking for that image. Et quand on va te demander une photo dans ton CV, tu passes sur Snapchat. And when they ask you to get a picture on your CV, you go to Snapchat. Tu deviens blanc. You become very white. C'est toi le problème parce que nous marchons avec des entreprises en main chaque jour. Ça. You are the problem because you work every day with company in your hand. This. T'as un téléphone ici de 200 000. Il y a some of you with phones of 200,000. Je suis en train de voir ça. I've seen them. iPhone. The Samsung S50. Yes. When you have iPhone Infinity. Mais ça sert à deux choses. But it serves you with just two things. Call and take service. Voilà quoi ça nous sert. Deux choses. Appeler et publier les photos sur Facebook. That's what it serves us. Snap and publish. Moi, en tant qu'entrepreneur, voici ce que je vois. Myself, as an entrepreneur, is what I see. On t'a remis un contrat d'affaires. They give you a business contract. Sur le contrat, on écrit que tu as vendu ta maison, tes biens. And that contract, they say you have sold your house. And you, what do you do? You sign. Parce que tu gênes une photo sur ta phone. Tu gênes une image que tu n'as pas vue. Because there you are managing an image that you have not seen. You are actually signing what you have not seen. Alors quand moi qui suis aussi ton ami et qui te considère, someone like me that is your friend and I consider you, je viens voir si j'ai la chose que tu fais. I want to see what you're doing. Si tu n'es pas prêt à dépenser, mon ami, oublie la richesse. If you are not willing to spend, forget about riches. Oublie la richesse. Lorsque je me fais un visuel, par exemple ma photo de profil, if I'm trying to build that virtual image for myself, peut-être j'ai donné 5000 francs à l'infographe qui m'a fait une belle photo, qui a traité la photo. I gave 5000 francs to an infographe who gave me good images that I've treated. Tous ceux qui vont passer sur ma page verront cette image. All those who will pass on my image, on my page, will actually see the image. C'est ça, non? Regardez-y. Quelles sont les images que vous utilisez sur vos pages, sur vos comptes Facebook? What type of image do we use? Aujourd'hui, il y a encore notre sorcellerie qui est sortie, on appelle les statues Facebook, WhatsApp. Mais il y a un autre qui a commencé à dire WhatsApp status. Les statues WhatsApp. WhatsApp status. Déjà oui. Already in bed. Vous faites ça. You do that. You do that. You do that. Moi, quand je poste un statut, c'est un message. If you see mine, if you see my status, it's a message. Je fais une semaine, je n'ai pas de statut. I can make a week without a status. Without putting up status. Mais si j'envoie un statut, c'est parce qu'il y a quelque chose que je vends. But if you see my status, there is a message that I'm passing across. Oh, c'est normal. C'est pas parce qu'il n'y a pas ce qu'on peut faire. On travaille sur notre image chaque jour. We are working on our image every day. Restez authentique. Stay real. Restez authentique. Remain genuine. Ça, c'est très important. Very important. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit physique. Be it on the social media, be it physically. Restez authentique. Be genuine. Soyez réel. Be real. Les images qu'on publie, les vidéos qu'on publie. The image and the videos you publish. Si je suis ami avec toi Facebook, par exemple, if I am a friend to you, et que tu m'identifies trop sur certaines images, and you identify me on so many images that is my image, je te bloque. I unfriend you. Même si tu es mon petit frère, je te bloque. Even if you are my junior brother, I block you. Pourquoi? Why? Parce que qui s'assemble se ressemble. Because those who work together, those who assemble, resemble. N'aie pas peur avant de dire que non, moi je peux pas faire ça avec toi. Don't be scared to tell somebody, say, I can't do this with you. Je ne peux pas le faire avec toi. I can't do this with you. Parce que mon image en dépend. Because my image depends on that. Avoir, je ne sais pas trop, Excel pour chanter avec lui. If you are looking for a particular artist to collaborate with, il va te dire maintenant. He will tell you when. Demain. Tomorrow. Après demain. Next tomorrow. Ta chanson peut être même très belle. Your song may be very good. Mais ton image n'est pas en contrôle.
but your image is not really... Alors lorsqu'il colle la sienne à la tienne, when he culminates both images, il voit un problème. He sees a problem. Et on se plaint que non, les aînés n'aident pas. And you still start complaining that the old people don't help the junior ones. Si tu traites ton image, ça va passer. Mais tu le fais naturellement, tu ne savais pas. Tu as partagé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris d'avoir en considération l'image. Because you did not took, you did not take into consideration the image that you yourself. Tu as considéré l'image que tu vends. You did not consider the image. Après tes vidéos que tu publies, etc. After the what you sell. Soyez constant et modérant dans vos attitudes et prises de décision. You should be constant and moderated. Soyez constant et modérant dans vos attitudes et prises de décision. And the decisions you take. Should be consistent and moderated in your attitude. Évitez de faire pour plaire. Stop doing things to please people. Non. Non. Fais ce qui va avec vous. Do what goes with you. Ce qui donne avec vous. What goes with you. Par rapport à ce que vous réfléchissez. Which has a lot to do with. Par rapport à ce que vous voulez que les gens aient de vous. Then, according to what the image you want people to have about you. Vos prises de décision, faites très attention. Je parle des réseaux sociaux parce que ça t'élève comme ça te rabaisse. I talk about it because it can take you very high and it can bring you down very low. Les réseaux sociaux. Social media. D'un jour, ça te met au sommet du jour. In one day, it can carry you up. The next time. Petite erreur. Ça the passe. Slightest error. Okay. I hope that is okay. Secret. De travailler son image. To work your image. C'est de rendre service aux autres. It's to render service to people. C'est de rendre service aux autres. Render service to people. Quand tu rends service à quelqu'un, il parle de toi en bien. When you render service to somebody, he speaks good of you. Lorsque le coach Yannick enseignait, il a dit quelque chose. When Coach Yannick was teaching this, lorsque vous voulez entreprendre, ne soyez pas égoïste. When you want to do business, don't be egoist. Cherchez à trouver des solutions aux problèmes des gens. Look for problems. Look for solutions to the problems of people. Et la richesse viendra. And riches will come. La richesse viendra. Riches will come. Alors, lorsqu'on dit ici, rendez service aux autres. When we talk of rendering service to people, c'est apprendre à conseiller, à orienter. It's start to advise, orient. Peu importe la forme par laquelle tu sens que tu rends service, mais censé qu'elle soit positive. Tout simplement dit ceci. Only this means, lorsque vous êtes vous qui êtes, when you are what you are, okay? Apprenez à faire tout ce qui est positif autour de l'être que vous êtes. To show you to do everything that is positive around what you are. Ça peut être des œuvres de charité. It can be maybe charity work. Un matin, tu décides, ok, j'ai 5000 francs, j'achète une boîte de lait, je vais à un orphelin. Non. One morning, get up and say you want to buy milk and you're going to an orphelin. C'est un exemple. Example. Muriel Blanche. Elle chantait. Elle chante. She was a musician. She is a musician. Elle chante. Elle chante très bien. And she sings well. Mais avec la musique, elle n'a pas pu avoir la célébrité que la comédie lui donne. But in music, she was not able to get that popularity that comedy has given. Pourquoi? Why? Parce qu'elle a commencé à faire des sketches pour rien. She started doing free sketches. Elles ont fait des tournées pour rien, où elles ne gagnaient pas d'argent. They do some shootings free. Mais elles travaillaient l'image que vous voyez aujourd'hui.
but they, she was working the image that you will see today. Chaque structure a envie de prendre et dit soit l'ambassadeur de X, soit l'ambassadeur de Y. Every company now is showing to take her, be the ambassador of this and that. Et commence à vivre de leur part. Now she starts living her dreams. C'est pourquoi un autre a peine. That's why not below. On fait comprendre que l'image de marque personnelle ne se construit pas en un jour. It tells you that faith is not built in a day. L'image de marque personnelle ne se construit pas en un jour. Personal image brand is not built in a day. C'est pas parce que le coach céleste a dit ça, Shunta a dit ça que tu vas sortir là d'ici le soir, tu vas bâtir une image. It does not mean that because the coach has said it means that tomorrow you just build a good image. C'est tous les jours. It's every day. C'est chaque jour. Every day. Parfois, vous voyez quelqu'un qui travaille, il touche 200 000 francs le mois. We see somebody who works and earns 200,000 francs. C'est-à-dire son business ne donne pas encore comme il se doit. His business does not do well. Ça, on retrouve cette catégorie plus dans l'indépendance, l'auto-emploi. Mais tu vas te rendre compte que il peut aller s'endetter. Alors, décidez ce que vous voulez décider et elle sera. Decide and it will be. Proposez et vous réalisez. Propose and you will realize. Pense et agis. Think and act. Ne fais rien pour aujourd'hui, mais fais tout pour demain. Seul le parle se dit, on ne sait de quoi faire le lendemain. Je peux mourir demain. It's only a lazy man that says we don't know tomorrow. Mais si vous voulez aller loin, pensez que demain existe. If you want to go far, have this in your mind that tomorrow exists. Faites attention à ce qu'on dit de vous. Be very careful what they say. Si on dit de vous des choses négatives, changez. If they say something negative, change. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. There is never that smoke without fire. Si on vous apprécie encore trop, if they over appreciate you even, faites attention. Be very careful too. Vous allez droit vers lui. You are going in front of the wall. Et fait tout et pour tout. Et do everything. Et fait le changement de demain. To be the change. Ce qu'il fait professionnellement, peut-être s'il est auteur, ouais. Et un autre compte, peut-être pour les loisirs, pour le voyage, l'enjoyment par exemple, pour ne pas mixer les choses. Puisqu'on doit faire. Je pense chaque personne a son côté. Professionnel et son côté de loisir et tout ça. Est-ce que quelqu'un peut avoir deux comptes où l'autre c'est professionnel et l'autre il publie les autres trucs? Si c'est pas une bonne chose, it's not a good thing. De faire la contradiction de ce que tu fais. To contradict what you do. Ça veut dire quoi? Je m'explique. What does it mean? Tu as un compte professionnel. You have a professional account. Pour ton business, auteur. Your business. Et tu te dis l'autre compte là, bon là-bas, je peux publier du n'importe quoi. You think that you don't have c'est la blague. Anything. That's it. Tes détracteurs iront prendre dans la blague. Your destroyer, detractors will go to go. They're going to take it from their personal account. Vous venez avec le compte. And bring it to your professional l'autre, account. C'est pas pour envoyer du n'importe quoi. Quand même dans le compte professionnel, une cérémonie en famille et tout ça, peut-être un voyage en famille. Tu mais peux. C'est pas comme si c'est le trash ou quoi que ce soit. Tu peux dans ton compte professionnel, ça motive tes followers. Tu peux. Motiver. Le tout c'est quoi? Que tu aies le compte professionnel et un compte d'amateur, arrange-toi ce que tu publies dans ces deux comptes. Que ce soit à ton image. Let everything concord to build that image you want to build. Est-ce que c'est carrément négatif pour quelqu'un qui vend par exemple des greffes ou des mèches de poser ou alors d'associer son image à une cause qui touche son environnement? Parce que ça permet à un moment donné de peut-être rendre les gens sensibles à votre personnalité. Okay. Si peut-être je suis dans le domaine de la santé, je peux associer mon image peut-être à une cause. Peut-être le travail des enfants ou encore peut-être le viol sur les enfants. Alors je reviens sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure concernant politiquement parlant Kamto. Ok, voici ce que je dis et voici ce que j'ai voulu passer comme message. Peut-être que vous n'avez pas bien pris ça. Il dit ceci par exemple. Vous ne pouvez, moi par exemple, ma page Facebook, c'est ma page de coaching, par exemple. Mais je peux parler dans cette page et je m'en vais publier le dernier événement que Kamto a fait. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vrai, parce que, par exemple, alors j'entre déjà dans la politique. Par contre, moi, en tant que coach, je dois être neutre.
tu dois être neutre. Pakou dit, je n'ai pas un parti politique. Je ne vais pas avoir un parti politique. Tu vois un peu? Le docteur enseignant, il peut être dans RDPC. Mais c'est pas pour autant qu'il va venir se placer devant ses élèves et il parle du RDPC. C'est pas ça qu'on se comprend. Il ne peut jamais venir se placer devant ses élèves. Par exemple, c'est un exemple. Il parle de son appartenance politique. Ça devient autre chose. Et on doit faire très attention. Et un truc comme la politique, c'est un jeu très glissant. A special greeting for this seminar, which is going to be more lively. Who wants to learn that new greeting? Let's just stand. Let's stand. Everyone, you stand, people. Yeah, get to stand. Get to stand. Voilà. Let's take the. So I'm going to work with my own partner that I have here. So we are going to go like this. Corona doesn't affect the hand. But when it gets there, that's why I advise to work with your hand. Hydro hand sanitizer or sanitizer. Hand sanitizer. Okay, let's go. 1, 2, 3, go. Come to the next person again, we go. Hello. If you're happy, are you go, you clap your hand. If you're happy, are you know, you stamp your feet. If you're happy, are you know, are you really want to show? If you're happy, are you know, you choose any of them. I said, you choose any of them. Okay, take your seats. Thank you very much. Yeah. Je suis vraiment ému. Like I said, comme je l'ai dit, we form a team. Nous formons une équipe. And the greatest thing about the team is, et la meilleure chose concernant la chose c'est que we complete each other. Nous sommes complémentaires. When he speaks in French, quand il parle en français, I can help in English. Je peux aider en anglais. And it goes that way. Et nous avançons ainsi. Which is why, alors c'est la raison pour laquelle I always advise people, je recommande toujours aux gens, look to work with that person. Regarde en cette personne. No, struggle to work with that person. Ok, bats-toi pour travailler avec cette personne. Who completes you? Qui est complémentaire, qui te complète? I hope you get that. Yeah. Yes, that's only how. That's the best way it works. C'est la meilleure façon dont ça marche. In physics, we say. En physique, nous disons. Like poles, they repel. Les mêmes pôles sont repulsifs. But unlike poles. Mais les pôles contraires s'attirent. Is it true, musician? Let's physicist, yeah. Like poles, they repel each other. Donc les pôles similaires, deux pôles positifs vont se repousser. But unlike poles, they attract. Mais ceux qui sont ne sont pas de la même nature vont s'attirer. Do everything to work with that person who complete. Faites tout et forcez-vous de travailler avec cette personne qui vous complète. The very fact that you are here, le simple fait que vous êtes ici, does not mean, ne signifie pas, you will become an entrepreneur. Que tu deviendras un entrepreneur. Because a lot of you, parce que plusieurs d'entre vous, you are gifted in copying notes. Tu es bon à prendre les notes. I'm a teacher. Je suis un enseignant. I teach for a living. J'enseigne comme occupation. I talk for a living. Je parle comme métier. My mouth is my bank account. Ok, ma bouche c'est mon compte bancaire. I live from talking. Donc je vis de ça. So, like I tell you, a lot of you can copy notes for Africa. You can copy. Ah, les Africains, vous savez copier. Plusieurs d'entre vous savent copier. But the end result is you never read. À la fin, tu ne le relis même pas. The shocking thing is this. Ce qui est choquant, c'est que the notes a lot of you will take today. Les notes que la plupart d'entre vous prendront. Even the notebook that you come with tomorrow will be different one. The most useless one of it is they are struggling to find out who is more beautiful. Ce qui est encore plus inutile, c'est qu'ils cherchent à savoir qui est le plus beau ou la plus belle. I used to watch this thing, Miss Cameroon, the beautiful contest. J'avais l'habitude de regarder cette cérémonie de Miss Cameroun. Even this last one that passed, I was supporting the person who won. It's a good friend of mine. La personne qui a gagné Miss Cameroun l'année dernière, c'est un ami, une amie. When I
supported her very well. Quand je l'ai soutenue très bien. She won. Elle a gagné. I went to Facebook. I discovered a video of a young boy who is having an interview with the mother. J'ai vu une vidéo. Il y a une vidéo sur internet d'un jeune homme qui discutait avec sa mère. If you go to my Facebook page, I post I share the video. J'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook. The young boy was asking the mother. Le jeune garçon demandait à la mère. Mama, I have the impression that you adults are more. So I always like to go by my name. I'm an African and I love to be called Ngea or Dipita. It means the road of hope. Wow. Ça signifie le chemin de l'espoir. So I am by the special grace of God, the CEO of Ngea Net Business Limited. Donc par la grâce de Dieu, il est le promoteur, le directeur de Ngea Net Business, Sal. I will not talk much about it. Je ne parlerai pas plus de ça. The founder of YouthService.com. Le fondateur de YouthService.com. It's just an NGO that is there to train youth. Donc c'est une ONG qui est là pour former les jeunes. So I'm the life coach and an entrepreneurship coach. Et coach de vie et entrepreneur, coach en entrepreneur. There's a difference between a life coach. Il y a une grande différence entre un coach de vie et un coach en entrepreneur. But in most cases, I want us to understand before we go to start looking for money. Je voudrais que nous comprenions avant de commencer à aller chercher de l'argent. Let us first call a spade a spade. Permettons que nous puissions appeler la spatule spatule. Money. L'argent. Is the what you define anything that we is generally accepted as a medium of exchange. L'argent c'est juste un moyen d'échange, tout ce que vous pouvez utiliser comme moyen d'échange. And to settle your debt. Pour rembourser vos dettes. But when we talk of capital, quand vous parlez de capital, is any man-made resource that is set aside. C'est toute ressource d'une personne qui est mise de côté for business. Pour les affaires. It must not necessarily be money. Ça ne devrait nécessairement pas être de l'argent. So in most of the cases, if I diagnose really what you people are actually looking for, which you call money, you realize that it's not money you're looking for. Si je diagnostique ce que vous êtes en train de chercher, vous allez réaliser que ce n'est même pas de l'argent dont vous avez besoin. It's true. C'est vrai. This lady said she has a book to publish. Elle a dit qu'elle a un livre qu'elle veut publier. Do you know that if she has to first judge her objective? Do I want to be known as an author or I want this story to get out there? Elle doit identifier son objectif. Est-ce que c'est que je veux juste que mon histoire soit dehors ou alors je veux être identifié comme auteur? That's two different things. C'est deux choses. Now, you can have a story you want to go out. Tu peux juste avoir une histoire que tu veux partager avec le monde. You don't care whether your name is there or not. Tu ne te soucies pas s'il y a ton nom là ou pas. There are so many ways you can get money in your house. I write for Amazon, and Amazon pay me for any time my book is bought. Donc, but my name is not there, Amazon's name is there, they sell it. Donc j'ai un livre sur Amazon, Amazon va... No, I write for them, I write for Amazon. Amazon. Yes, Amazon recruit writers. Amazon recrute les écrivains. You can write for Amazon. Tu peux écrire pour Amazon. But your name is not there. Ton nom n'y est pas. You lost leverage on the book. You lost leverage on the book. Après, tu perds le contrôle sur le livre ne t'appartient pas. They market it. Et ils le vendent, ils le promouvent, ils te donnent ton pourcentage. But your happiness is that. Tu es content, ta fierté c'est que your story went out. Ton histoire est partagée. The first one there is risk capital. Donc, ici nous avons le capital risque. What is risk capital? C'est quoi le capital risque? It's money that you get from external sources. C'est l'argent que vous avez des sources externes. It can be a loan from a father. Ça peut être un enfant, je dis d'un papa. Get money from me, from the bank. La banque que tu peux avoir from the fees that people take to come and ask for loan is not the same fees they take to pay back. Est-ce que vous savez que lorsque les gens viennent prendre de l'argent, c'est pas la même façon à laquelle ils prennent l'argent qui vient rembourser. When they are coming to take money, they can even greet your dog. Poppy, how are you? Quand ils viennent prendre l'argent, ils peuvent même saluer même le chien. Poppy, comment tu vas? Beautiful puppy. Poppy. Mais tu rembourses ta mais pour rembourser cet argent. C'est une autre guerre. You are here. Plusieurs d'entre vous, c'est comme ça. When they say something positive, you are identifying. Quand ils disent quelque chose de positif, tu t'identifies à l'histoire. When they say something negative, c'est négatif. Mais hey, mon frère là, fait ça hier. That one doesn't concern you. Tu passes pas, ça te donne. No, we all. Nous tous. When we are taking loan. Quand nous prenons des prêts, we don't have the same humor as when we nous n'avons pas le même état d'esprit que lorsque nous remboursons. C'est sûr, pas de like it or not.
So why you are going for risk capital? Alors quand tu prends le capital risque, fais attention. Mais on a un école equity capital. Et il y a maintenant qu'on appelle les fonds propres, les apports propres. That one is your own money. C'est ton argent. Or free money. Or l'argent libre. What of free money? Vous voulez l'argent? No, parce que when we talk of free money, quand on parle de l'argent gratuit, we mean money that your father just say my daughter take it. Donc c'est l'argent que ton père a dit que ma fille prend ça. Or your husband say my wife take it as that. Ton mari a dit ma femme prend ça. Oh, the wife say my husband. I know that will shock a lot of you, but ça yes. Ça va vous choquer. Oui, alors la femme a dit à son mari. My husband. Mon mari. Take this money and prend cet argent et lance ton business. I know these guys are saying ça existe, mais ah oui. It exists. It exists. It exists. Why did I talk about mother, father, husband, and wife? Pourquoi est-ce que je parle mère, père, mari et femme? Because that's a real. That is the only area where it is truly free. Parce que c'est le seul endroit environnement où l'argent vraiment est gratuit. Don't go to uncle and call it free money. Ne pas passer les oncles pour dire que c'est de l'argent. It may not have a tangible string. Ça peut ne pas avoir une corde visible. But there are always intangible strings. Mais il y a toujours des choses invisibles, des contraintes. When you are going to that, we're going for that sources. Quand tu es en train d'aller vers cette source, be careful. Fais attention. Like my father always said, before you bite the nose of somebody, be ready to drink what comes outside. Comme mon père dit, avant d'appuyer le nez de quelqu'un, assure-toi que tu peux voir ce qui va sortir. So you must be careful when you go in. Tu dois faire attention. Which is why I advise people. C'est la raison pour laquelle je recommande aux gens. And everybody who comes to me. Et tous ceux-là qui viennent vers moi. And I'll tell you something. Et je vais vous dire quelque chose. That's the reason why I love him. He is very patient to work with some people. I like to work with people. Je l'aime parce qu'il est patient pour travailler avec les gens. Mais moi, j'aime travailler avec les gens. Who? They know what they want. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. And can follow instructions. Et peuvent suivre les instructions. Good. Let us see what equity capital is. We say this is the initial sum of money invested by the real owners of the company. Donc, le capital propre, les fonds propres, c'est ce que le propriétaire de l'entreprise ont investi au départ. It is not repaid. On ne rembourse pas. It is part of the company's de la structure du capital. Go forward, please. These are examples of equity capital. Donc voilà les exemples de capitaux. We have owner stock. Mobilisation. On a le owner stock. On appelle l'inventaire, on appelle ça l'inventaire, oui. Owner stock simply means you want to start up a company. Vous voulez commencer une entreprise. And the company is say 5 million. C'est 5 millions. You have 2 million. Vous avez 2 millions. And you look for people who can raise the other amount and you start the business. Et vous cherchez les autres personnes qui peuvent susciter l'argent pour commencer l'entreprise. Yes. Those ones who are coming, they are coming as creditors to the company. Ces autres qui sont en train de venir viennent comme des créanciers à l'entreprise. But you own the company. Mais vous possédez l'entreprise. That money you put inside. L'argent que vous y avez mis. We call it in economics sinking capital. On appelle ça les immobilisations. It goes down. Donc c'est immobilisé. The next is retained profit. L'autre, c'est maintenant les profits retenus, les retenues de bénéfices. Retained profit. Ou encore les bénéfices non distribués. This is the profit that you realize from the business. Donc, ce sont les bénéfices que tu as réalisés sur l'affaire. But you refuse to spend it. Mais tu as refusé de redistribuer ça, par exemple, aux actionnaires. Yes. So what do? You reinvest. Alors tu réinvestis ces bénéfices non distribués là-dedans. The technical term there is plowing back. Profit. Donc le terme technique c'est bénéfice non distribué en quelque sorte, on réinvestit. The next is you have partnership contributions. Donc il y a les contributions des partenaires. This is one thing Cameroonians are always scared of because of pride. C'est quelque chose que les Camerounais refusent, en fait, ont peur à cause de l'orgueil. Not only pride, but greed. Mais pas seulement l'orgueil, mais l'égoïsme. You can have the business idea, you don't have the money. Vous pouvez avoir l'idée d'affaires, mais vous n'avez pas de l'argent. Somebody has the money, doesn't have the idea. Quelqu'un a de l'argent, mais il n'a pas l'idée. Why are you scared? Pourquoi as-tu peur? Get into a partnership. We're going on to risk capital. Dans le capital risque. We've already said what it is. Go to the next, please. Comment dis-tu que c'est? Now, what are risk capital? We have bank loans. Nous avons les prêts bancaires. We have angel investors. Les investisseurs providentiels. Yeah, when we talk of angel investors, there are people in this world who all they have, they are so poor that all they have is just money. Il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent.
So I'm saying that this doctor, you are not mad. I know that doctor is mad, but I'm not mad. Je ne suis pas fou. Yes, there are people that all they have is money. Il y a des gens que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. And you will tell. Et vous constaterez. At the end of their parcours. Et vous le saurez à la fin de leur parcours. You know Maman Guéa, right? Vous connaissez Maman Guéa? That's a woman who produces a whole music and says, je passe ma vie dans les avions. Donc. I pass my whole life in planes. She passed my vie dans les avions. She lived in affluence. Elle vivait dans la richesse, dans l'opulence. I don't need to say it. Je n'ai pas besoin de dire la fin. So they were so poor that all they had was just money. Ils étaient tellement pauvres que tout ce qu'ils avaient. But they forget that money is an illusion. Mais ils ont oublié que l'argent c'est une illusion. And money hates to stand one place. Et l'argent déteste rester au même endroit. Money wants to move. L'argent aime circuler. And when those kind of people successfully meet people like us, et quand ce genre de personnes réussissent à nous rencontrer, les gens comme nous, là, on va reprendre l'argent là. But not we will not do bad because pas en faisant ce qui est mauvais. No. Because you don't know how to keep it. Let's keep it for you because you can come back later to beg for help. Donc, parce que vous ne savez pas garder, permettez qu'on garde ça. Vous allez revenir après. Now there are others who have also money and they don't have the business idea. They're just looking for where to invest. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas d'idée, cherchent seulement les endroits où investir. We call them angel investors. Nous les appelons les investisseurs. Il y a des everywhere. As a start-upper, en tant que start-upper, the start-upper is a person who's just starting up his business. C'est quelqu'un qui vient de commencer son entreprise. We call that in economics a technical term sunrise. On appelle ça le lever du soleil. Yes. So do well to make sure that your equity capital is greater than your risk capital. Alors rassurez-vous toujours que vos fonds propres sont supérieurs au capital risque. In this case, your business is lowly geared. En ce moment-là, votre business est moins. A sans moins de levier, en quelque sorte. Donc, c'est utilisé par l'anglais, britannique. The French, the Americans, they call it financial leverage. Ok. Donc, chez les Américains, on appelle ça financial leverage. Capital gearing is simply the amount of control you have over your business. Donc, c'est le niveau de contrôle que vous avez sur votre propre business. So, when your equity capital is greater than your risk capital, quand vos fonds propres, vos mobilisations sont plus grandes que les emprunts et autres, you have a higher control over your business. Vous avez plus de contrôle sur votre business.